Oh, 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 bonjour, sale mioche. Bonjour, le vieux crouton. Est-ce que vous avez tous été bien sages cette année? Oui. Ah, non, pas moi. Maintenant, dites-moi ce que vous voulez pour Noël. Moi, je voudrais un ballon de football. Et moi, monsieur le Père Noël, je voudrais tes parents. Oh, ça, je peux rien faire pour toi. Casse-toi. Hello, darkness, my old friend. Ah, mais je vous ai déjà vu. Vous espionnez entre les barreaux de l'école. Oh, oui. J'adore regarder discrètement des petits enfants jouer. Enfin bref, vous voulez quoi pour Noël? Alors moi, je veux un grand château de luxe avec des esclaves de luxe, des putes de luxe et de la nourriture de luxe. Voilà. Mmh. Oui, c'est un peu une chouin, Père Noël. Je n'admets pas la chouin. Vous pouvez pas exaucer son vœu? Non, à moins que je sois son sugar daddy. Trop bien, Peppa, t'as trouvé un sugar daddy. Au revoir, sugar daddy. Oh, trop bien, je peux faire du trampoline sur le ventre de papa. Va plutôt faire du trampoline sur le ventre de papy, tu vas voir, il va être super content. Papy, je vais faire du trampoline. Ah, oh non, elle a appuyé sur mes gars, ça va sortir. Oh bah bravo, maintenant t'es contente, Peppa? Oui, maintenant je suis très contente, parce que moi je suis une petite emmerdeuse. Tout le monde est réuni autour de la table pour manger du pudding aux excréments de Noël. C'est très goûtu, comment vous l'avez préparé, Mamie Pig? Le petit secret, c'est de le faire rouler sous les aisselles. Et l'ingrédient, il vient de moi-même. Ah bah la prochaine fois, on fera du pâté en croûte de Noël avec toi. Maintenant, on va déballer les cadeaux. Oh super, c'est mon cadeau, j'espère que mon château de luxe, il loge dans cette boîte. Oh non, des graines pour oiseaux. C'est le cadeau de mon perroquet, toi t'as pas de cadeau. Ah mais je comprends pas, pourtant j'étais sage. Peppa a Suzy au téléphone. Je suis grave dégoûtée. Fallait pas me frapper, je te dis chais. Oh. Hello darkness, my old friend. On est des petits flocons de neige qui tombent et qui s'écrasent par terre. Avec nous, vous ferez des bonhommes de neige. Puis on devient de la water. Bonjour, je suis une petite fée mince et gracieuse. Et moi, je suis le Père Noël, ça se voit, n'est-ce pas? Il ressemble pas du tout à ça, le Père Noël. Vous êtes sûr que vous êtes pas malade? Quand je vous vois, ça me donne envie de faire bleh. Oh oui, je suis d'accord, le vrai Père Noël est plus bégé. Oh, c'est le vieux crouton. Et j'ai intérêt à avoir un château de luxe en cadeau, hein. Oh, tu me casses les boules de neige, Peppa. Les gens ont cotisé pour ton château de luxe, alors c'est pour ça qu'avec toute la moulaga récoltée, je me suis pris un traîneau de luxe. Waouh! Oh bah c'est super, j'ai encore plus le seum. Peppa Pig fait une boule de neige et va l'envoyer dans la grosse face à son frère. Tiens! Est-ce que je pleure? Oh non, j'adore les faciales de boule de neige. Tiens! Ah non mais il ose m'en renvoyer une. Ah non mais là tu vas moins faire le malin, tu vas arrêter de rigoler et puis bah comme ça tu vas mourir. Oh, oh non, Peppa Pig n'a pas réussi à tuer son frère avec une boule de neige aussi grosse que son fiac. Merde, t'es pas mort? Bah non, tu voulais que je meure. Ouais, pour avoir du saucisson de Noël. Saucisson, oui, oui. Voici le tuto de comment faire un saucisson. Alors je te montre avec une boule de neige. On la roule comme ça, voilà. Et après on la tapote comme si c'était le fiac à maman. Un bonhomme de neige. Attendez, du coup je ramène ma carotte que j'avais mis dans mon huc. Comme ça il y a une bonne odeur. Peppa et George jouent à cache-cache. 1, 2, 6, 28... 69, je suis cachée. Je t'ai trouvé. Oh sérieux, Georges, tu ne fais pas d'efforts pour te cacher. À moi, 69. Je vais me cacher là-dedans. Où est-ce qu'elle est, wesh? Ben, c'est pas là, c'est... Maman, où c'est que t'es? Elle est peut-être derrière les rideaux. Ah bah oui, elle est tellement grosse qu'elle pourrait se cacher derrière les rideaux. Ah bah oui, c'est logique. Ben, je comprends pas. Maman, avec papa, comme hier soir, quand j'ai entendu le truc, il y a quelqu'un. Coucou, Georges. Allez, Georges, maintenant tu te recaches, mais mieux que tout à l'heure. C'est bon, Georges, j'arrive. 2 hours later. Papa, j'ai cherché partout, mais j'arrive pas à le trouver. Bah, c'est normal, il s'est caché dans l'abattoir. Ah, Georges, je t'ai trouvé.
Peppa Pig va au métro avec sa famille. Flemme de payer, moi je suis une thug, je vais passer sous la barre de métro. Oh, bah mince, il y a un antivol. Faites attention à vous, en ce moment il y a plein de punaises de lit dans le métro. Oh bah punaise alors, ça c'est encore les animaux à poil qui ramènent ça à bande de porcs. Ah oui, je confirme, ça c'est vraiment des gros porcs. Et c'est parti pour faire un tour de tram. Nous allons bientôt partir, alors installez-vous bien. Les enfants, tenez-vous à la barre de pole dance comme à maman dans sa chambre pour chauffer papa. On rentre dans un tunnel où on ne voit jamais la lumière, et je parle pas de mon fiac. Et puis à votre gauche, vous pouvez voir des animaux à poil. C'est eux qui ramènent toutes les punaises de lit. Eh ben c'était bien nul, je reviendrai jamais. Maman, le dur, y a Timéo qui m'a embêté et du coup j'ai... Ouais, c'est bien, je m'en fous. Va plutôt le raconter à ta copine Suzy. Mais Rangère à l'écoute. Ma fille veut raconter ses histoires d'ado bien nul, donc vaut mieux qu'elle fasse chier votre fille. Allô, Suzy, faut trop que je me plaise. Ah bah j'ai l'habitude avec toi, alors qu'est-ce qu'il y a? Bah hier, Timéo, il m'a traité de grosse cochonne. Bah peut-être parce que t'en es une. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Après, il m'a dit que plus tard, je serai un saucisson. Bah oui. Ah mais oui, c'est vrai, on est saucisson de mère en fille chez nous. Et puis après, il a dit qu'on était les amis des musulmans puisqu'ils nous mangent pas. Mais non, c'est parce que t'es de la mauvaise viande pour eux. Moi, de la mauvaise viande et toi, tu vas finir en kebab. Eh ouais, t'es jalouse. Ah mais c'est un saucisson susceptible celle-là. Peppa sort un énorme poireau de son fiac. Qui veut que je le frappe avec mon énorme poireau? Moi! Peppa et ses amis ont tellement mangé de space cake que maintenant ils se voient vraiment dans l'espace. Moi, ok, je viens de me rendre compte. Pourquoi on est sur la lune? Y'a même pas Shakira. On s'en fout. Moi, je suis un robot et je vais tous vous tuer comme Megan. Ah bah d'accord. Trop cool! Et toi, pourquoi t'es ouverte? T'es malade ou quoi? Enfin bref, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on soit sur la lune avec les copains. Tu as raison, Peppa. C'est le plus important. Oh, mais. Car est dos à ton lumière que me brouille. Coucou. Oh non, c'est un extraterrestre. Non, je suis ton père. Non. Et vous les autres space cake, là c'est au fromage, vous allez encore plus planer. Oh ouais, trop cool. On adore la drogue chez nous. Maman, on va faire de la pizza avec du bon halouf. Eh oui, on va faire de la pizza de la tradition de la famille, ma petite maman. Et on prend deux boules comme celle de ton papa. Trop cool. Oh, mais wesh, ma petite chouette. Oh, ça colle comme du muspère. Et comme la tradition de la famille, il faut tourner la porte et la jeter en l'air. Oh, bah, moi, c'est là. Oh, la tuon. Oh, bah, c'est fait tout noir. Pour la garniture, moi, j'ai eu l'idée de mettre de l'ananas. Non, mais espèce de taré, si tu fais ça, je vais mettre ton petit frère à la place. Bah, dans ce cas-là, je vais faire une pizza à la pouze, ça sera bien meilleur. Je vais déposer la recette et ça va s'appeler la pizza et tout le monde va en manger. Les Italiens en sueur. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu mes petits skies. Et maintenant on va voir toutes les autres compilations des vidéos shorts sur Peppa Pig. Abonne-toi à la chaîne et mets des pouces bleus aussi. Commente, partage. Si c'est moi qui dis alors faites-le. Abonne-toi mon petit army.